Nous allons arriver mardi à Paris. Quand nous allons arriver, nous allons trouver l'hôtel pas cher dans le centre de la ville. C'est très difficile pour de trouver l'hôtel le moins cher à Paris, mais parce que nous sommes étudiants jeunes avec un petit budget, nous pouvons être confortables dans d'endroits pas chers. En fait, j'ai trouvé un hôtel moins cher sur Internet. Il s'appelle Hôtel Paris pour deux. Il est situé à 3e rue Le Mans, 20 Mignon-Mondrant, 75010, Paris, dans le centre de la ville, dans le quartier de la 20e arrondissement. Il est à côté de la station de métro qui s'appelle Belleville. Le numéro de téléphone de l'hôtel est 87 66 62 69 82. Il est à près de beaucoup des endroits intéressants, par exemple les cathédrales de Notre-Dame, le palais du Louvre, le parc de Butte-Chaumont et les cimetières du Père Lachaise. Pour cette raison, nous ne sommes pas obligés de dispenser beaucoup d'argent pour transport. L'autre avantage de cet hôtel est qu'il est beaucoup moins cher. Il y a 2% coûte l'hébergement pour seulement 49 euros. Pour le transport, nous avons beaucoup d'options. Nous pouvons prendre le métro ou de nos vélos. Il y a le bus aussi. Si nous allons dans des endroits loin de l'hôtel, nous prenons le métro, mais c'est très cher. Pour le premier jour, nous allons dans des musées. Nous visiterons le palais du Louvre dans le matin et nous passerons notre temps à regarder des peintres célèbres, particulièrement mon favorite, la Joconde. Dans l'après-midi, nous visiterons le musée d'Orsay dans Paris aussi. Là, nous regarderons les peintres de Vincent Van Gogh, un peintre très célèbre de tout le monde. À minuit, nous allons au restaurant élégant. En fait, il est le plus ancien restaurant à Paris. Le jour prochain, nous visiterons l'Arc de Triomphe, le monument très célèbre dans Paris. Ensuite, nous ferons une promenade à la Tour Eiffel. Puis, plus tard, nous prendrons le métro aux cathédrales de Notre-Dame. Le troisième jour sera nos derniers jours dans Paris, donc nous nous réveillerons plus tôt. Nous allerions au Jardin du Luxembourg pour pique-nique.